Trois dossiers étaient soumis à la plénière du mardi 14 juin 2016. Il s'agit de la loi uniforme relative au traitement des comptes dormants dans les livres des organismes financiers en République du Bénin, de la loi uniforme sur les contentieux et infractions à la réglementation des relations financières en République du Bénin et enfin de la loi portant travail d'intérêt général. Trois éléments qui pourraient justifier l'intérêt de cette loi. La première, c'est l'obligation qui est faite aux établissements de faire une recherche active du déposant au bout de 8 ans. Donc, le déposant met de l'argent sur son compte pendant 8 ans. Pas de mouvement, pas d'information, pas de contact. Ça exclut bien entendu les déposants qui ont plusieurs comptes et qui continuent à travailler avec la banque. Donc là, on est bien dans le cas de quelqu'un qui, au bout de 8 ans, n'aurait fait aucune manifestation, aucun signe de vie du tout avec la banque. Donc le premier intérêt de cette loi, justement, c'est de faire obligation à la banque de rechercher à qui appartient l'argent. Toute la matinée a été consacrée au compte rendu sommaire de la dernière séance avant d'aborder les sujets du jour. L'étude de la première loi a connu une suspension de quelques heures. On est dans un pays libre. Est-ce que, en tant que citoyen, je peux aller déposer mon argent et même ne pas regarder pendant 10 ans? Quel est le problème? Où est le problème? Je ne comprends pas. Je peux prendre mon argent, aller créer un compte, et je dépose là pendant 10 ans, je ne regarde pas. Et je dis, cet argent-là, je veux l'utiliser dans mes vieux jours. Je profite qu'aux banques. Où est le problème? Si j'ai un compte et que je n'ai pas envie d'y toucher, ce n'est pas mon argent. Il me semble que je fais de mon argent ce que je veux. Mais je sais par expérience, ayant vécu 10 ans aux États-Unis, si tu as le malheur de laisser ton compte bancaire 3 mois, 4 mois sans y toucher, obligatoirement, l'État américain, il met la main dessus. Je le sais. À la reprise des travaux, les débats ont été focalisés sur quelques détails qui ont permis de comprendre davantage l'importance de cette loi. Au terme de la journée de travail, seule la première loi soumise a été votée à l'unanimité avec une seule abstention.